Je vois que monsieur a besoin d'un grand amour. Quelle chance il a, monsieur, car c'est l'article du jour. Il le trouvera là-bas avec un prix de réclame, à côté de la poudre à récurer les âmes. Et si par chance monsieur a fait son plein d'illusions, il ne laissera pas passer notre promotion. Deux barils de bonheur et pour un prix dérisoire, il aura en cadeau un échantillon d'espoir. Alors monsieur, dites-moi que la vie c'est bien dans ce grand magasin. Non, j'ai rien vu de joli et j'ai rien mis dans mon caddie. Et si monsieur veut bien passer cet après-midi, il perdra pas son temps, ça c'est juré promis. Puisque voici venir l'animateur vedette qui va nous réapprendre le sens de la fête. Je vois qu'il y a de la place dans l'existence de monsieur pour mettre un double pack d'événements heureux. Gardez bien les capsules pour la loterie générale, dont le premier prix est une réussite sociale. Alors monsieur, dites-moi que la vie c'est bien dans mon grand magasin. J'ai rien vu joli et j'ai rien mis dans mon caddie. Moi j'étais pas très chaud pour faire tous ces achats, mais j'aimais la vendeuse et lui confiais tout bas. Mademoiselle, je vous aime, c'est nouveau mais c'est bon. Elle m'a dit les coups de foudre, ça c'est pas mon rayon. Mais monsieur, dites-moi que la vie c'est bien, mais dans ce grand magasin, y avait qu'elle de jolie. Mais mon caddie lui a rien dit. J'ai laissé la vendeuse à son bonheur de papier, en gardant mon cœur vide qui était même pas consigné. Et tout seul dans ma peau qui était trop grande pour moi, j'ai fui comme un voleur des choses qui existaient pas. Même dites pas que la vie n'est rien, que ce grand magasin. Dites-moi qu'elle est jolie la vie et mettez-la dans mon caddie.